Je suis fatigué, monsieur. Les secrets, c'est épuisant. J'ai tué ma tante dans la cuisine. Avec des ciseaux. Quand elle est morte, je l'ai percée parce que j'avais l'impression qu'elle riait. D'abord, je lui ai trouvé la poitrine, comme aux deux autres, et puis le cou. Ouais. Puis j'ai mangé ses yeux, pour pas qu'il me regarde. D'accord. Vous comprenez? Ouais, oui, je comprends, oui. Après, je l'ai transformé en deux. J'ai mis dans un sac, j'ai mis dans le garage, il y a quoi? 2 semaines? Mais j'ai peur la nuit. Alors, je lui tiens la main. D'ailleurs, je l'ai apporté, là. Voilà. Alors, c'est sûr que quand on ouvre, ça sent forcément un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Et donc? Oui. Ben voilà, quoi. Oui, mais je suis désolé, excusez-moi, j'étais pas du tout là. Est-ce que vous pourriez reprendre du début? Du début? Oui. Tout de suite, là, je crois que je pourrais pas. Bah oui, je comprends, évidemment. Oui. Si ça recommence, je reviens. Voilà, faites ça. Venez quand ça recommence. J'habite à 2 pas. On va vous raccompagner. Bonjour, monsieur. Oui. Vous m'aviez dit, si ça recommençait, de revenir vous voir. Ah oui, mais je suis désolé, là, j'ai vraiment pas le temps. Là, c'est revenu un peu... Je suis désolé, j'ai pas le temps. Pas maintenant, là. Oui, mais quand, alors? Je sais pas, lundi. Lundi. Et... Il y a peut-être une possibilité d'être hébergé ce week-end, ici? Non, mais monsieur, ça va.